Alors, bonsoir à tous. On est toujours le dimanche 23 août 2020, 21h46, heure du Québec. Chers amis, heureux de vous retrouver. Imaginez-vous, imaginez-vous qu'une équipe de scientifiques de haut niveau dit que Mercure et non Vénus est en fait la planète, la planète voisine la plus proche de la Terre au sein de la communauté astronomique. Et apparemment, partout ailleurs dans le monde, on a longtemps cru que Vénus est la planète la plus proche de la Terre. Même des gens comme la NASA ont soutenu cette conviction, en fait. Pourtant, trois scientifiques ont récemment décidé de reconsidérer la question. Et leurs découvertes peuvent vous surprendre parce qu'elles ont apparemment renversé le consensus scientifique dominant. Depuis quelque temps, bien sûr. Il est entendu que la planète Terre fait partie d'un complexe de corps qui tourne autour du Soleil, le système solaire. Pourtant, la façon dont les éléments du système solaire devraient être désignés a été controversée de temps en temps au fil des ans. Néanmoins, les scientifiques sont désormais parvenus à un large consensus. Cela déclare que le système solaire est composé de huit planètes, cinq planètes naines et d'autres entités plus petites. C'est en fait l'invention du télescope qui s'est avérée essentielle pour la compréhension initiale du système solaire par l'humanité au XVIIe siècle, par exemple. Galiléo Galilée a pu déterminer les caractéristiques scientifiques de certaines entités du système à l'aide d'un télescope. Il a même noté que les tâches solaires gravent le Soleil et que les caractères définissent la surface de la Lune. Et après les découvertes de Galiléo, plusieurs nouvelles découvertes sur le système solaire ont rapidement suivi. Christiane Juggens, par exemple, a noté que deux lunes en orbite autour de Saturne, a noté deux lunes, pardon, deux lunes en orbite autour de Saturne, ainsi que la forme des anneaux de cette planète. Pendant ce temps, Giovanni Cassini a enregistré quatre autres lunes de Saturne et de la division Cassini, une étendue de 3000 de large entre deux des anneaux de la planète. Puis en 1705, un Anglais du nom d'Edmund Halley parv parvint à euh, la comète à une conclusion massive. Il a remarqué qu'une comète particulière dans l'espace était en fait enregistrée depuis la Terre tous les 75 ans environ, et cela, réalisa-t-il, était indicatif d'autres objets euh, cosmiques en orbite autour du Soleil en plus des planètes connues. Et au fur et à mesure que le temps passait et que les instruments scientifiques se développaient, les experts ont découvert qu'il y avait beaucoup plus de planètes dans le système solaire que simplement la Terre. Aujourd'hui, en fait, ceux-ci sont, sont censés inclure Mars, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter, Neptune, Neptune et Uranus. Une autre entité, cependant, s'est avérée très controversée dans les cercles astronomiques. En 1930, vous euh, voyez-vous, un Américain du nom de Clyde Tom Bath, a découvert Pluton. Et à cette époque, Pluton était considéré comme la neuvième planète du système solaire. Cependant, cette affirmation s'est avérée être un point de discorde parmi les astronomes. Ce fut particulièrement le cas lorsque les astronomes ont découvert plus tard d'autres objets non planétaires de nature comparable à la nouvelle planète. Pourtant, on a longtemps pensé que Pluton était plus grande que la planète Mercure. En fait, c'était une croyance largement partagée par les astronomes pendant un peu moins d'un demi-siècle. Finalement, cependant, il a été établi que la masse de Pluton est en fait seulement équivalente à environ 5% de celle de Mercure. Pourtant, par cette mesure, les scientifiques considéraient Pluton comme simplement la plus petite planète du système solaire. Pourtant, en plus d'avoir une masse relativement insignifiante par rapport aux huit autres planètes, Pluton possède également d'autres caractéristiques anormales, des exemples particuliers de ceux-ci liés à la nature de l'orbite euh, du corps. Dans les années 1990, les astronomes ont donc commencé à découvrir d'autres objets cosmiques qui, à bien des égards, présentaient des similitudes avec Pluton. Et il a alors commencé à sembler que, les, que ces objets appartenaient à leur propre catégorie de classification. De nombreux scientifiques pensaient par conséquent que Pluton elle-même ne pouvait plus être considérée comme une vraie planète. Cependant, Pluton n'est pas la seule planète à être controversée en 2005. En fait, les astronomes ont observé pour la première fois une entité semblable à une planète connue sous le nom d'Eris. Ce corps s'est avéré être environ 27 plus grand que Pluton. Par conséquent, elle a été pendant un temps considérée comme la dixième planète du système solaire, mais tout le monde n'était pas prêt à accepter cela. À l'époque, voyez-vous, Eris était l'un des trois objets découverts considérés comme comparables à Pluton en termes de taille. Les autres entités sont connues sous le nom de Quaoar et Sedna. Et en conséquence, les astronomes sont arrivés à la conclusion qu'ils auraient besoin de repenser le consensus sur la définition d'une planète. L'Union astronomique internationale est l'organisation chargée de classer les corps et objets astronomiques. Il a été formé en 1919 et est aujourd'hui basé dans la capitale française de Paris. Ainsi, en 2006, le groupe a cherché à mettre fin à la controverse entourant Pluton en établissant officiellement la loi sur ce qu'est réellement une planète. Une planète est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil, a déclaré l'Union astronomique internationale. Il a une masse suffisante pour que son autogravité surmonte les forces du corps rigide de sorte qu'il prend une forme d'équilibre hydrostatique presque ronde. Et il a nettoyé le quartier autour de son orbite. Selon cette définition, ni Pluton ni Iris ne pouvaient être considérés comme une planète. Au contraire, les nouveaux critères établis par l'Union astronomique internationale ont vu ces entités être classées comme des planètes dites naines. Les autres planètes naines, aujourd'hui, incluent euh, Oméa, euh, Makema, Makema, Makemake et Cérès, ou, à bien des égards, similaires aux vraies planètes. Les planètes naines présentent cependant des différences importantes entre elles. Ainsi, tout comme les vraies planètes, les naines gravitent autour du Soleil et ont une forme presque sphérique. Cependant, ces planètes ne parviennent pas à répondre à un point important défini par l'Union astronomique internationale. Elles n'ont pas dégagé le voisinage autour de leur orbite, comme l'ont fait les planètes. Elles se distinguent également par leur nature des lunes, car elles n'orbitent pas sur les planètes. Pourtant, malgré le déclassement de Pluton à de planètes euh, à nains, L'entité est toujours entourée de controverses. Certains astronomes se sont prononcés contre la reclassification, par exemple, affirmant qu'elle sape la définition de certaines des huit autres planètes et même des proches, pardon, du grand public, se sont montrés résistantes avec des pétitions créées pour encourager un réexamen. C'est rien d'autre, cependant, euh, le débat autour de Pluton illustre que la sagesse établie dans les domaines d'études scientifiques peut être remise en question. En effet, il est possible que des, euh, des vérités supposées autrefois considérées comme infaillibles puissent être revisées et remodelées. Et tel était le cas récemment, après que trois scientifiques aient publié leur découverte sur la planète qui est la plus proche voisine de la Terre. Tiens, 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 on y arrive. Étant donné la nature des orbites des planètes autour du Soleil, les distances entre elles sont dans un état de flux régulier. Pourtant, même ainsi, l'opinion conventionnelle a affirmé que Vénus devrait être considérée comme la planète qui est la plus proche, voisine de la Terre. Mais le moment est-il opportun pour réévaluer cette réflexion Baptisée d'après la déesse romaine de la beauté et de l'amour, Vénus, tourne autour du Soleil en moins de 225 jours. Et comme cela se produit, la planète fait le tour du Soleil dans la direction opposée à la Terre. Cela signifie que si vous pouviez vous tenir à la surface de Vénus, le Soleil monterait, monterait à l'ouest et descendrait à l'est. Vénus a cependant de nombreuses similitudes de, dans la nature avec la Terre. Vénus a même été qualifiée de sœur de la Terre en raison de leur taille comparable et de leur composition planétaire similaire. Cependant, il existe également des divergences considérables entre les deux, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être considérés tout à fait comme tout à fait identiques. Pour commencer, l'atmosphère de Vénus est plus dense que celle de la Terre et elle est composée à plus de 96% de dioxyde de carbone. La pression atmosphérique de Vénus à sa surface, est également 92 fois plus élevée qu'elle ne l'est sur Terre. Par Pour le contexte, ce serait similaire à la pression que vous ressentiriez à 3000 pieds sous la surface des eaux de la Terre, imaginez-vous. Vénus est également la planète la plus chaude des huit que l'on trouve dans le système solaire. Et s'il si est possible que Vénus ait déjà été recouverte d'océans, la chaleur torride qu'elle subit signifie que ce n'est certainement plus le cas. En fait, la surface de Vénus peut être reconnue comme un désert sec parsemé de roches. Donc, Vénus est au milieu, euh, est au mieux une demi-sœur, mais est-elle est, euh, est la planète la plus proche de la Terre Eh bien, même la, la NASA a déjà qualifié Vénus de voisin planétaire le plus proche de la Terre dans un article écrit. Et Vénus se rapproche en effet de la Terre plus que toute autre planète. Cette proximité ne dure cependant pas longtemps, comme nous le verrons plus loin. Bien qu'elle se rapproche parfois de la Terre, Vénus passe donc une grande partie de son temps à une grande distance, étant donné que son orbite est dans la direction opposée à celle de notre planète. Par conséquent, les scientifiques ont fait valoir que nous ne pouvons pas considérer avec précision la, pan la planète comme notre plus proche voisin. Mais ben, si Vénus n'est pas notre connaissance la plus proche, quelle est ou quelle planète est vraiment notre voisine En mars 2019, trois experts nommés Tom Stockman, Gabriel Monroe et Samuel Cordner ont publié un article dans Physics Today. Ici, les scientifiques ont affirmé que c'est Mercure qui passe vraiment le plus de temps au plus près de la Terre. Selon le trio, voyez-vous, les méthodes utilisées pour mesurer les distances entre les planètes ont quelques défauts. L'équipe écrit dans l'article par un phénomène d'insouciance, d'ambiguïté ou de pensée de groupe, les vulgarisateurs scientifiques ont diffusé des informations basées sur une hypothèse erronée sur la distance moyenne entre les planètes. Et ils poursuivent en utilisant une méthode mathématique que nous avons conçue, nous déterminons que lorsque la moyenne est calculée dans le temps, le plus proche voisin de la Terre est en fait Mercure. Comme vous le savez peut-être, Mercure porte le nom du Romain, du Dieu du commerce et de la communication. Et une fois que Pluton a cessé d'être officiellement considéré comme une planète, cela a laissé Mercure comme la plus petite planète de notre système solaire. En plus de cela, son orbite autour du Soleil prend moins de 88 jours, la plus rapide des huit planètes. De plus, étant donné les cratères qui définissent Mercure, sa surface ne semble pas totalement différente de celle de notre Lune. En fait, l'apparence de Mercure pourrait suggérer que la planète est en sommeil d'un point de vue géologique depuis un temps considérable. La planète a également du mal à retenir la chaleur et les températures peuvent varier considérablement. Donc, avec les choses que l'on sait aujourd'hui sur Mercure, il semble assez étonnant qu'il ait pu être négligé comme notre plus proche voisin pendant si longtemps. Pourtant, il semble qu'une hypothèse scientifique capricieuse était responsable de cela, mais qu'est-ce qui a conduit à une telle incompréhension apparemment significative de la vraie nature de la petite planète? Eh bien, les trois scientifiques expliquent dans Physics Today que la distance entre les planètes a traditionnellement été calculée en fonction de la distance de chacun par rapport au Soleil. Par exemple, la Terre est considérée comme une unité astronomique du Soleil. Et on pense que Vénus est à environ 0,72 unités astronomiques de la même étoile. Donc, dans cette façon de penser plus traditionnelle, on calculerait la distance entre la Terre et Vénus en éloignant la plus petite mesure de la plus grande. En d'autres termes, la distance entre la Terre et Vénus serait de 0,8 unités astronomiques, comme le prétendent Stockman, Monroe et Cordner. Cependant, cette méthode est trop simpliste. Bien qu'il semble intuitif que la distance moyenne entre chaque point sur deux ellipses concentriques soit la différence de leurs rayons, en réalité cette différence ne détermine que la distance moyenne des points les plus proches des ellipses, ont écrit les scientifiques dans Physics Today. En effet, lorsque la Terre et Vénus sont à leur approche la plus proche, leur séparation est d'environ 0,8 unités astronomiques. Mais tout aussi souvent, les deux planètes sont le, les plus éloignées. Quand Vénus est du côté du Soleil opposé à la Terre, à 1,72 unités astronomiques, ont poursuivi les scientifiques. Nous pouvons améliorer le calcul d'effectuer en faisant la moyenne des distances de l'approche la plus proche et la plus éloignée, mais trouver la vraie solution demande un peu plus d'efforts. Les experts ont donc manifestement compris qu'une réponse plus précise nécessiterait une nouvelle méthode. Et celle à laquelle les scientifiques sont arrivés consistait à mesurer la distance entre chaque point sur l'orbite d'une planète donnée par rapport à chaque point sur l'orbite d'une autre planète. Ensuite, sur la base de cette approche, connue sous le nom de méthode du cercle de points, l'équipe a exécuté une simulation pour tester sa réflexion. Cette simulation a pris en compte le système solaire et les planètes qui y sont contenues. Il a mesuré les distances des planètes les unes des autres non pas telles qu'elles sont actuellement, mais telles qu'elles se produiraient sur des milliers d'années. Et les résultats ultérieurs ont en fait fourni les chiffres que différa... qui, qui différaient des chiffres précédents d'environ 300 Stockman, Monroe et Connor ont donc suggéré qu'en réalité, Vénus se situait en moyenne à environ 1,14 unités astronomiques à une distance de la Terre, alors que Mercure, en revanche, était nettement plus proche à environ 1,04 unité astronomique. Mais ce ne sont pas les seules découvertes intéressantes suggérées par l'équipe concernant Mercure. Vous voyez, le trio a en fait laissé entendre que Mercure n'est pas seulement le voisin le plus proche de la Terre. Leurs calculs les ont en fait amenés à faire une réclamation bien plus grande que celle-là. En effet, ils ont suggéré que Mercure est également le plus proche voisin de toutes les autres planètes du système solaire. L'équipe scientifique a expliqué que leur approche était complètement nouvelle. Ils ont écrit dans Physics Today, pour autant que nous puissions le dire, personne n'a proposé un concept comme le PCM pour comparer les orbites. Et ils ont noté qu'il pourrait avoir des utilisations plus larges. Ils ont poursuivi, avec les bonnes hypothèses, le PCM pourrait éventuellement être utilisé pour obtenir une estimation rapide de la distance moyenne entre tout ensemble de corps en orbite. Les scientifiques ont terminé l'article avec une utilisation qu'ils prévoyaient de leur nouvelle méthode. Ils ont écrit, Peut-être que cela peut être utile pour estimer rapidement les relais de communication par satellite, pour lesquels la force du signal diminue avec le carré de la distance. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ont conclu, dans tous les cas, au moins, nous savons maintenant que Vénus n'est pas notre plus proche voisine et que Mercure appartient à tout le monde. Vraiment, vraiment intéressant. Je laisserai l'article dans la boîte de description.